Voilà, quand on est livré à soi-même, voilà là où on marche, à Vaxé. Des voitures, de la pollution, une route large et quasiment pas de trottoir. Et puis, il y a autre chose. Faut-il connaître ? Je suis sur le parcours bleu. Parce que le parcours marron et le parcours bleu sont... On peut les connecter. D'ailleurs, tous mes parcours, on peut les connecter. Et on est derrière. Plus de maisons en bois, généralement. Plus de pauvreté aussi. La vie au quotidien, où les gens font des choses qui, pour les Européens, peuvent être surprenantes. Faire sécher des bananes, faire sécher des feuilles pour faire des rouleaux de printemps. Et ici, il y a trois belles maisons plutôt traditionnelles. Trois, peut-être quatre. Mais il y en a surtout deux dont je me souviens. Ouais, ils sont à droite là, ils sont derrière moi, je vais me tourner. Donc il y a celle-ci, pourquoi pas. Il y a une grand-mère sourde qui habite là. Il y en a une autre petite qui est là, qui est à l'orée d'un des jardins secrets de Paxé. Voilà, celle-ci. Et celle-ci. Des très très jolies maisons. Et donc les jardins, bon, les vins. Ouais. Je vais aller au jardin. Il y a des jardins à l'intérieur de Paxé, alors qu'ils sont inondables. C'est la première chose qui s'inonde à Paxé. C'est complètement dans une cuvette. Ça fuit. Et je fuis.